Salam Bnet, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Moroccan Lady. Alors, je suis très très heureuse de vous retrouver pour la première fois sur ma toute première vidéo. Anaya, je vais faire la chaîne déjà et ça va être une chaîne liée à la DIY, le make-up, la beauté. Des fois, je vais faire des vidéos tag. Ça va dépendre des jours et des semaines. Et puis le but de la chaîne est de partager avec vous des choses qui m'intéressent et qui me passionnent. Alors pour commencer, ça va être qui m'a trouvé le titre, une vidéo tag. J'ai posté ma photo sur les réseaux sociaux et j'ai demandé les abonnés de m'envoyer des questions. Et on va commencer tout de suite. Alors la première question, il y a Dunia. So, première question, yay. Dans quel domaine tu travailles? Qui jette que la vie au Canada? Je nous les avantages, mais bien et ici au Maroc. Donc, première question, dans quel domaine tu travailles? Anaya, je travaille dans le domaine textile en tant que chargée de projet en recherche et développement. Je nous les avantages, la vie au Canada ou la vie au Maroc? Les avantages que j'ai, c'est que tu te sens bien, ça va, ça va être un peu difficile. Les soins de santé, ils sont pas mal couverts. Il y a une bonne assurance, mais l'employeur dit aussi, tu as plein de trucs, tu tires avantage d'une home. À part ça, au Québec, il y a moins de trafic que Gaza, ça va, quoi d'autre, il y a de beaux paysages, les parcs, j'adore la nature, donc du coup je suis très bien servie. Flemakla, bien sûr, il y a tout type de restaurants. Quoi d'autre, c'est le repas, mais à part ça tout va bien. Naya, quel est ton secret beauté? Quel est ton style vestimentaire? Quel est ton secret pour avoir de belles dents? Merci, Rahab. Quel est ton secret beauté? Mon secret beauté, ça va être pour mes cheveux. Mais ça, je ne vais jamais en tant que Kibin. J'ai les cheveux bouclés de nature. Donc, le secret, Louis Candir, ben, secret. On partageait, mais comme sûrement vous dire aussi. C'est Anani, j'ai éliminé la brosse de mes routines, donc j'utilise plus la brosse parce que je suis un seul chari, et bien sûr, les cheveux bouclés, je suis un seul douche. Puis c'est ça, la fois que je suis la brosse, quand je suis un démêleur et didette. Quel est ton style vestimentaire? En semaine, ça va être un style de bureau, style chic-chouïa, classique chic. Et en fin de semaine, ça va être un style décontracté. Donc, t-shirt et jeans, ou des espas ou là, des talons pas trop. Quel est ton secret pour avoir de belles dents? Saraha, j'ai pas de secret, c'est de se brosser les dents et garder le fil de soie. Des fois, ça c'est rare, ça fait longtemps que je mets des tâches, bicarbonate de soude, garder le café la fichita dialk, garder le snack. Bon, prochaine question. Lick, quelles sont tes études? Je suis normal, tes passions et tes hobbies. Mes études, j'ai fait génie mécanique, donc des études d'ingénieur, petite fille Maghreb, et que je suis au Canada, au Québec, à l'Université Laval. Mes hobbies et ma passion, ben, bien sûr, ça va être tout ce qui est beauté, qui est venu aussi tout ce qui est artistique, d'où ma passion pour les DIY. Et puis, c'est ça, quand il y a un petit peu de bricolage, des trucs palaka, que c'est une fille mythique, oui, j'aime ça. La question d'après, ton âge et ta couleur préférée. Anaïra Dindir, 28 ans, en janvier 2017, Inch'Allah, ma couleur préférée, ça va être le bleu.
Ça va être le vert et le marron, là, le brun. Donc, zarqadar et qawi. Parfois, oui, dit du rose, du rouge et tout. Je vais dire une touche. Je dis que ça du punch, ça ton plus grand défaut. Oui, j'ai tendance à magasin parce que avec le boulot c'est très prenant quand il y a ça à réfléchir donc quand j'ai mes doudas du coup il a quand j'ai quelque chose à m'arrêter quand il y a quelque chose à placer je vais léguer. Il y a combien de temps que tu blogues? Ça fait depuis janvier donc 10 mois que je blogue. Est-ce que tu comptes un jour t'arrêter? Non, pas nécessairement. Moi, je me faire peut-être plus tard, tu as ta petite famille, l'idée et tout. Je ne sais pas, ça va être un facteur l'iradi qui va pas me nuire, mais qui va faire en sorte que je pourrai plus avoir assez de temps. Mais par contre, je vois beaucoup de mamans blogueuses, donc du coup, je me dis c'est pas une excuse. Voilà. Ton style de make-up fif, Saraha. Des fois, je fais des smoky eye, mais très très léger. Genre, quand il y a le coin de l'œil, même quand je dis que j'ai les fossiles et tout. Niveau du concealer, du fond de teint, en semaine pour aller travailler. Des fois, l'anti-cerne, il a ma continue à s'amuser. À part ça, ouais, pour sortir, des fois, quand j'ai le temps de me préparer, genre un dessert, ça a un script d'amis, oui, quand il y a un maquillage complet. Mais sinon, j'ai plus pour un rouge à lèvres, l'équicoune à teline. Ouais, j'aime beaucoup les rouges à lèvres qui sont rouges. D'abord, ou l'étiquette aussi, des rouges à lèvres carouillées. Des fois, il a cherché les lignes quand il y a des rouges à lèvres mute. Donc, c'est le maquillage joli de tous les jours. Bien sûr, un bronzer, un décolleté d'abdos et mascara aussi. Mais des fois, quand je fais le blanc maquillage, j'ai le rouge à lèvres. Tu habites où? J'habite à Québec, au Canada. Tes origines, tu as dit tu es Casablanca, au Maghreb. Tu as dit Casablanca, au Maghreb. Maghreb et papa l'a ramené de Bjed et maman de Fès, donc d'où m'a les origines. Ton secret beauté, bon, on a déjà utilisé. Quel est ton style vestimentaire? Ton secret pour avoir de belles dents. Après ça, so cute, j'adore tes cheveux. Dans quel domaine tu travailles? Merci Fleurita. Merci Fleurita pour ton commentaire. Dans quel domaine je travaille? Donc, c'est le domaine textile. Pourquoi tu es au Canada? Quelles études tu fais ou as-tu fait? Je suis au Canada au fait j'ai tenu parce que mais d'abord les traitements donc la raison est un traitement. Les études littéraires ben c'est génie mécanique. Ta saison préférée et pourquoi? Ah, Adesso Elzwin, merci Kauza. Ma saison préférée, c'est l'été indien. Je parle de ma saison préférée ici, au Québec, au Canada. Parce que, Maghreb, bien sûr, ça va être l'été, vu qu'il y a la plage, il fait beau et tout. Mais l'été, c'est Marrakech, donc tu peux pas savoir. En plus, c'est très humide. Naya, j'aime le début de l'automne parce que fille dit que l'été indien, j'adore la nature, j'adore les couleurs. Donc tous les facteurs sont bons. J'ai venu de la saison, ça dure 2-3 semaines, mais c'est 2-3 semaines qui sont nous hyper colorées. Ça sent très bon le khair. Je ne sais pas si le parc et tout, ça sent. Ouais, que tu sers les bois, donc des crêpes de l'orage, de l'eau et tout, que tu as venu à la bzaf. En plus, que tu as venu à Zala. Donc, Adia, ma saison préférée. Tes produits préférés, soins, make-up.
Sarah, j'ai pas de produit à cas préféré, mais bon, je vais dire que je vous le rouge à lèvres. Après ça, je mets aussi les gommages et les crèmes. Donc, je vous dis ça, les gommages surtout. Parce que tu vois que, ouais, jamais tu prends soin de toi et tu vois le résultat instantanément. En plus de là où il y a des gommages qui sont fruités, ou il y a des pamplemousses et tout, vraiment zwinin, quoi d'autre? Ou les beurres corporels, bien sûr, parce que d'abord, le chauffage et tout, ça va peut-être hydrater ta peau. Sinon, Catouline, hyper neige. Je pense, dernière question. Ouais, c'était la dernière question. Donc, j'espère que la vidéo te connaît, je vais te si c'est le cas, n'oublie pas de me laisser des likes. Et puis, maintenant, ça, je compte abonner à la chaîne d'Yali. Et sur mes réseaux sociaux, à tout cas, où les informations, la barre d'infos. Sur ce, je vous souhaite une belle journée et je vous fais de gros bisous. Bye bye.